Salut à toutes et à tous, c'est Citylis. On se retrouve pour une vidéo sur la PS3. Aujourd'hui, je vais vous montrer une fonction que Sony a inclus dans sa PS3. Donc ça s'applique à la PS3 Slim et Fat. Donc cette fonction est assez utile. En fait, le but, ça va être de faire mettre en marche tous les 27 heures de la PS3 à puissance maximale. Donc à quoi ça sert? Donc déjà, enlever toute la poussière qu'il y a dedans, donc c'est vraiment utile. À la refroidir aussi. Parce que comme vous savez, ça surchauffe pour ceux qui jouent vraiment longtemps. Donc ça dure en général moins d'une minute. Après, ça dépend les consoles, bien évidemment. Mais là, je vais vous montrer comment on fait ça. Donc en général, la poussière, vous verrez, quand elle s'accumule, il y en a vraiment énormément. Donc déjà, auparavant, on va se rendre sur la PS3. On va éteindre le système complètement. Voilà, on va bien attendre qu'elle s'éteigne. Voilà, on attend que les ventilateurs ils s'éteignent aussi. On attend. Voilà, une fois que la PS3 est complètement éteinte, on va la débrancher le câble à l'arrière ou à la prise, c'est comme vous le souhaitez. Donc moi je vais prendre avec la prise. Voilà, on attend un petit peu, genre 5 secondes. Ensuite, donc vous mettez la prise comme ça, la tenir juste comme ça, voilà. Vous allez appuyer sur le bouton éject de la PS3, vous allez rester appuyé dessus. Voilà, le temps c'est pas très grave. Et ensuite, vous allez remettre la prise. Donc, vous pouvez le débrancher à l'arrière ou devant, c'est comme vous le souhaitez. Hein. Donc là, moi, je fais avec la prise, c'est plus simple. Et vous restez toujours appuyé. Et là, elle va démarrer. Et là, vous entendez. Et comme vous pouvez le voir, la feuille, ça souffle. Voilà, et après, elle s'éteint toute seule. Donc, comme vous pouvez le voir, hein, c'est vraiment très utile. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment très, très utile. Voilà, la poussière là, a été toute... Donc, c'est pas extrêmement puissant, hein, mais ça enlève vraiment la plus grande partie des poussières. Et ensuite, quand vous appuyez, la PS3 ne se rallume pas. Donc, non, elle est pas hors service. Vous allez tout simplement la redébrancher une nouvelle fois. Puis la rebrancher tout simplement comme ceci et vous allez la rallumer normalement et la PS3 va se rallumer toute seule. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir, c'est très utile. Hein. La poussière qui sort, etc. Vous verrez, on voit pas la poussière parce que c'est vraiment des micro-particules qu'on voit pas vraiment. Mais si vous mettez votre main après, on voit vraiment que on a les mains toutes poussiéreuses, je dirais. Et on voit tout ça. Donc voilà, c'était vous pour montrer comment on nettoyait sa PS3 de l'intérieur, donc avec la puissance des ventilateurs. Donc je vous rappelle la procédure rapidement. Vous débranchez votre PS3. Vous restez appuyé sur Eject, et pendant que vous restez appuyé sur Eject, vous rebranchez la prise. La PS3 va se lancer, les ventilateurs vont tourner. Une fois que ceci est, le processus est terminé, vous la débranchez, puis vous la rebranchez, et vous démarrez votre PS3 normalement. Voilà. Allez, merci à tous, et à très bientôt. Allez, ciao.